Bonjour. Alors, je vous souhaite la bienvenue à la Guilde Culinaire pour le lancement officiel des trois nouveaux produits d'une fermentation optimisée des trois produits Alunga, Inaya et Okoa. En tant qu'ambassadeur, comme vous le savez, de Cacao Barry, vous êtes les premiers à travailler ce produit. Nous allons travailler en atelier. On vous demandera de développer un certain nombre de recettes. Le rhum blanc peut aller. On se rend compte que le rhum ambré, le rhum brun, le rhum bio, ça va très très bien. Le whisky, c'est l'alcool qui va par excellence avec le cacao. Pourquoi ? Parce qu'il y a maltage et à la même étape de l'élaboration. Je dis toujours que Cacao Barry est le trait d'union entre le fermier, le planteur et le maître chocolatier qui crée ses douceurs et qui est plein de créativité. Alors évidemment, ces produits ont été construits, assemblés, décidés avec les fermiers, avec les planteurs de cacao, en fusion avec les artisans chocolatiers. Chocolat façon After Eight avec un petit sablé breton et une ganache chocolat menthe et un espumage chocolat au lait. On se fait une verrine avec un crumble chocolat, compoté de cerises, mousse chocolat et émulsion vanille. Et on se fait un dessert à l'assiette avec une anglaise au thé du Labrador, une meringue suisse à l'érable et on va normalement faire un petit croustillant chocolat feuilletine. Alors bonjour, je m'appelle Christophe Morel. Alors Jonathan Garnier, chef propriétaire de la Guilde Culinaire à Montréal. Bonjour, je m'appelle Olivier Potier. Alors bonjour, mon nom c'est Marc Yekio, je suis au Québec depuis 37 ans et je suis propriétaire des pâtisseries Marius et Fanny. Bonjour, Ludovic Fraisse, chef chocolatier pour Chocolat Privilège à Montréal. Bonjour, je m'appelle Nicolas Duterre, donc je suis chef pâtissier. Bonjour, mon nom est Nancy Sanson, je suis enseignante à l'école d'hôtellerie à Trois-Rivières et j'ai une chocolaterie à Trois-Rivières également. Les amateurs de chocolat, ce sont vraiment trois chocolats sublimes, super, plein de goût, plein de saveurs. On est en train vraiment de se défouler avec ces trois chocolats. Et bon, j'ai fait quelques créations, autant dans des verrines, pâtisseries, desserts sur assiette et bonbons bien sûr. Et je dois dire que c'était fabuleux. Aujourd'hui, on a eu un atelier de création avec nos ambassadeurs chefs du Québec et on leur a demandé de développer des recettes à partir de notre nouvelle gamme de chocolat Q Fermentation. Ils ont fait ça avec brio, c'était délicieux.